Ah, bonjour! Comment allez-vous? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule caféinée. Cette nouvelle capsule caféinée, il faut que je vous regarde quand même dans les yeux, c'est pas très correct. Alors, cette nouvelle capsule caféinée, aujourd'hui, nous allons parler du COQP-CQQ. Alors, le COQP-CQQ, quoi c'est? En bon français. Attendez, la régie me parle. Oui. Oui, alors oui, la régie me donne des nouvelles du professeur Kottmann avec son produit miracle, la Ventoquine, pour doper les commerciaux. Je vous les passe en direct, c'est tout de suite en image et je vous retrouve après. Voilà, nous revoilà de retour ensemble pour parler du COQP-CQQ. Alors, vous voyez, le professeur Kottmann est en très bonne forme, il se repose bien, il récupère. Les deux messieurs en blouse blanche sont venus le chercher la semaine dernière et dans son lieu de villégiature tenu secret, il se repose très bien. Bien, reprenons nos affaires. Quoi c'est le COQ-CQQ? Alors d'abord, le COQ-CQQ, ou COQP-CQQ, ah j'en perds mon latin, vous voyez, donc le COQP-CQQ, quoi c'est? Eh bien c'est un outil qui permet d'analyser la situation du client, quand vous êtes chez le client, chez le prospect, avant et après. Alors, on va donc rentrer dans les détails, que dirait Jean-Pierre Pernaut. Le 4S, bah, le 4S, qu'est-ce que c'est, le 4S? Le 4S permet finalement de connaître la situation du client actuel, situation future, ce qu'il envisage, la solution actuelle, pour quelle ou quelle raison serait-il amené à en changer, et la solution future pour sa situation future. Donc le COQP-CQQ, j'y arrive pas, hein, eh bien, permet d'analyser la situation du client pour satisfaire les 4S. 4S, situation actuelle, situation future, solution actuelle, solution future. Alors, on va commencer par le C, par le combien ça coûte, combien serez-vous, combien de temps. C'est ce type de questions qu'on pose en rendez-vous quand on prépare bien un rendez-vous client, mais on verra à la fin qu'il va falloir légèrement les modifier par rapport à une situation que nous vivons, qui ne vous a pas échappé. Continuons. Ensuite, où? Où et quand serait-ce? Alors, le quand arrive après, mais où cela se passe-t-il? Où souhaitez-vous aller? Où envisagez-vous d'aller, par exemple, le fameux où, qui est une question sur l'endroit et le lieu. Nous continuons. Pas besoin de s'éterniser. Hein. Quoi que quel? Ah, le fameux quoi que quel. Ça me rappelle un fameux... Hop, 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 pas si vite, toi. Hop, attendez. Voilà, c'est n'importe quoi. Non. La régie, vous déconnez ou quoi, là? Bon, quoi que quel. Alors, quoi que quel permet de satisfaire, finalement, le fameux son casse. Mais on verra ça un autre jour. Hein. Une énième vidéo tuto sur le son casse. On verra ça. Bon. Alors, de quoi s'agit-il? En quoi est-ce important pour vous, monsieur le client? Que recherchez-vous dans un produit ou dans un service? Quels sont les critères importants pour vous? Vous saisissez? On peut se poser ces questions avant, on peut se poser les questions en face à face, one to one, H to H, et on peut se poser les questions après, afin d'analyser le fameux 4S, la situation client, et d'être la personne qui va obtenir la confiance du client. Nous continuons. Le fameux comment qui lui était pressé d'arriver à... On va parler de toi, comment. Alors, comment comptez-vous faire pour vous sortir de telle ou telle situation? Comment procédez-vous? Comment envisagez-vous? Comment faites-vous? Tout simplement, avant la rencontre client,
pendant la rencontre client, après la rencontre client, les fameux 4S. Je continue. Ensuite, quand souhaitez-vous mettre les choses en place? Quand souhaitez-vous organiser cette formation? Quand souhaitez-vous que la livraison soit faite? Quand cela s'est-il passé? Le fameux quand. Ou quand vous dites aussi, pourquoi pas? Vous saisissez, on continue. Le fameux qui, mais de qui s'agit-il? Qui est impliqué dans l'action? Qui sera impacté? Qui a décidé? Qui décide? Aujourd'hui, bon, c'est plus ou moins hein, quand même, hein, mais qui fait quoi finalement? Le fameux qui? Voilà, c'est occupé, c'est cucu, c'est tout. C'est occupé, c'est cucu, c'est tout. C'est pas mal ça. Je fais des jeux de mots. Mais j'attire votre attention. Avertissement. Warning. Aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé, les rendez-vous physiques tendent à se... Pour certains, c'est vécu plutôt pour, comme ça. Mais la technologie vient à notre secours, puisque nous avons la possibilité d'avoir des visio-rendez-vous et ensuite de vendre au travers d'un écran, à travers d'un écran. Dans cette situation que nous vivons, plus nous serons amenés à vendre à travers l'écran, plus, je dirais, le cheminement des questions du COQP CQQ sera de nature un peu plus structurée, un peu plus méthodique par rapport au parcours client et à la situation client et à ce qu'il attend de vous dans un visio-rendez-vous. Vendre au travers d'un écran nécessitera, je dirais, beaucoup d'avantages et de bénéfices pour le client comme pour vous, une entreprise, un timing beaucoup plus resserré, une conversation moins longue, qui nécessitera une intelligence collective de différents intervenants dans l'accompagnement de la vente, dont vous, le vendeur et la vendeuse, en avant-centre, mais les rôles seront répartis différemment. Donc, finalement, le fameux COQP CQQ permettra d'analyser une situation et d'arriver déjà avec moins de questions qu'auparavant, même lorsque nous avions une super préparation. Voilà, et bien écoutez, c'est génial, j'ai fini de parler du COQP CQQ, c'est génial. Vous voyez, c'est pas très long. Bon, je sais, une énième vidéo là-dessus, mais une énième vidéo sympa, c'est quand même capsule caféinée. Maintenant, on va parler d'un sujet important, le fameux moi. Le moi, vous savez, le moi, moi quoi, je suis consultant, formateur, et je vais donc vous parler de mes produits et de mes services. Envoyez le générique.